بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد Chers apprenants, chers téléspectateurs, chers internautes, nous sommes à l'école coranique à la télévision Al-Bayan pour la leçon 17. Pour la leçon 17. Autrement dit, Ad-Dars Sab'ata Ashra, c'est-à-dire la leçon 17. Avant de commencer la leçon 17, nous allons lire tout l'alphabet arabe à la forme Fataha. C'est-à-dire, nous allons lire l'alphabet arabe avec la voyelle Fataha. A. Ba. Ta. Fa. Ja. Ha. Kha. Da. Za. Ra. Za. Sa. Sha. So. Do. To, zo, a, ga, fa, ko, ka, la, ma, na, ha, wa, ya. Voici donc tout l'alphabet arabe lu à la forme de la voyelle fataha. Et notre cours d'aujourd'hui a pour thème At-Tanwin. Le sujet de ce cours n'est d'autre que At-Tanwin. Et que veut dire Tanwin, chers apprenants, chers téléspectateurs? At-Tanwin veut dire tout simplement doublement de voyelles. Nous avons les voyelles de base, Fataha, Kasra, Dhamma. C'est-à-dire, les voyelles se doublent. Et si les voyelles se doublent, se nomme tout simplement At-Tanwin. At-Tanwin, doublement de voyelles. Donc, de Fataha est un Tanwin. De Fataha est Tanwin. De Kasra est Tanwin également. De Dhamma est Tanwin. Et nous allons appliquer la Tanwin avec ces 7 premières lettres qui sont devant votre petit écran, cher apprenant. Donc, vous pouvez donc suivre avec nous cette leçon, car c'est très riche et capital. Chers apprenants, voici donc les voyelles ici doublées. Voyelles doublées. J'ai la fataha doublée et j'ai kasra doublée et j'ai dhamma doublée. C'est nom at-tanwin. C'est nom at-tanwin. De fataha et tanwin. De Kasra est Tanwin. De Dhamma est Tanwin. Nous allons appliquer premièrement Tanwin Fataha avec ces 7 lettres. Tanwin Fataha avec les 7 premières lettres, je prends déjà la lettre Alif. La lettre Alif, y compris le signe Hamza. Et le signe Hamza n'est d'autre que se présente ainsi. Hamza. Je mets Fataha au-dessus de Hamza, me donnera A. Me donnera A. Comment peut-on doubler A? Comment peut-on doubler A pour Tanwin Fataha, c'est-à-dire deux Fataha sur la lettre A. Sur la lettre A. Donc, si je mets deux Fataha sur la lettre A, me donnera ici An. C'est ce qui a été écrit ici déjà. Me donne An. Me donne An. Si ce n'est qu'une seule Fataha sur le Hamza, me donnera A. Mais si je double Fataha sur la lettre A, me donne An. Me donne An. Et si ça me donne le An, je mets le Alif juste à côté. Je mets le Alif juste à côté pour allonger.
Donc, an, c'est-à-dire doublement des voyelles fataha avec la lettre A, me donne an. Je prends la lettre al-ba'u. La lettre ba'u avec tanwin fataha me donne ici ban. Me donne ban. Me donne ban. Si je prends la lettre ta'u, la lettre ta'u avec tanwin fataha me donne tan. Me donne tan. Je reprends. La lettre alif, y compris son signe hamza, avec tanwin fataha, me donne an, tout simplement. An, tout simplement. Et si je prends la lettre ba'u, devant votre petit écran, avec tanwin fataha ici, me donne ban. Et si je prends la lettre ta'u, avec tanwin fataha, me donne tan. C'est simple. Il faut suivre la logique, tout simplement. Je prends la lettre fa'u. Devant votre petit écran, la lettre fa'u. Avec tanwin fataha, me donne than. 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 Si je prends la lettre al-jim, avec tanwin fataha, me donne ici jan. Jan. Tout simplement. Je prends la lettre al-ha'u. La lettre ha'u, la lettre ha'un, avec tanwin fataha, me donne ici tout simplement han. Me donne han. Si je prends la lettre kha'u, la lettre al-kha'u, avec tanwin fataha, me donne tout simplement khan. Me donne khan. Que veut dire tanwin? Tanwin n'est d'autre que doublement de voyelles. Et quand je dis doublement de voyelles, fataha c'est double. De fataha est tanwin. Est tanwin. De fataha est tanwin hein, qui se nomme tanwin fataha. Et de kasra, tanwin. Tanwin kasra. Et de dhamma est aussi tanwin. Tanwin Dhamma. Alors, cher apprenant, cher téléspectateur, il est bon à noter. Dans ce cours, avec Tanwin Fataha, de Fataha ou doublement de Fataha, nous avons mis juste Alif à côté de ces lettres. Oui, parce que le Alif, en faisant Tanwin, Fataha, il est forcément, ou alors, quand on met Tanwin, Fataha, il est toujours souvent rattaché avec Alif. Il est rattaché avec Alif. C'est ce qui est très important. C'est ce qui est très important. Alors, Tanwin, Fataha est toujours, ou alors, est plusieurs. Hein, est toujours attaché avec le alif. Est toujours attaché avec le alif. Et tanwin fataha avec la lettre ba'u ici, nous avons le alif encore. Donc tanwin fataha est plus souvent avec la lettre alif. Tanwin fataha est plus souvent avec la lettre alif. Est plus souvent avec la lettre alif. Et c'est ce qui est bon à noter. Je reprends. Je dis Atanwin. Le sujet de notre cours, ou le thème de notre cours, Atanwin veut dire quoi? Doublement de voyelles. Nous avons voyelle Fataha, et nous avons voyelle Kasra, nous avons voyelle Dhamma. Si ces voyelles se doublent, autrement dit, si Fataha, à deux fataha, si fataha est doublé à deux fataha, on l'appelle tanwin fataha. Deux kasra, ou alors kasra doublé est tanwin kasra. Et dhamma doublé est
Tanwin Dom. C'est ce qui est bon à noter. Et notre cours d'aujourd'hui, c'était Tanwin Fataha. Et c'est ce qui a été appliqué avec ces 7 lettres ici devant votre petit écran. Je prends la lettre Alif. Je donne ici Tanwin Fataha, mais donne An. La lettre Ba'u. Avec Tanwin Fataha, mais donne Ban. La lettre Ta'u. Avec Tanwin Fataha, mais donne Tan. Et la lettre Tha'u. Avec Tanwin Fataha toujours, mais donne Than. Et la lettre Al-Jim avec Tanwin Fataha, mais donne Jan. Et la lettre Al-Ha'u avec Tanwin Fataha, mais donne Han. Et la lettre Al-Kha'u avec Tanwin Fataha, mais donne Khan. Chers apprenants, chers téléspectateurs, notre cours est Tanwin. Et que veut dire Tanwin? Tanwin signifie doublement de voyelles. Il y a Tanwin Fataha, quand Fataha c'est double. Tanwin Kasra, quand Kasra c'est double. Et Tanwin Dhamma, quand Dhamma c'est double. Donc, Fataha doublé est Tanwin Fataha. Kasra doublé est Tanwin Kasra. Et Dhamma doublé est Tanwin Dhamma. Et c'est ce qui a été appliqué avec ces 7 premières lettres ici. Je reprends. La lettre A avec Tanwin Fataha me donne An. La lettre Al-Ba'u avec Tanwin Fataha me donne Ban. La lettre Ta'u avec Tanwin Fataha me donne Tan. La lettre Tha'u avec Tanwin Fataha me donne Than. Et la lettre Jim avec Tanwin Fataha me donne Jan. Et Tanwin Fataha avec la lettre Al-Ha'u me donne Han. Et Tanwin Fataha avec la lettre Al-Kha'u me donne Khan, tout simplement. Et Tanwin Fataha est rattaché avec le Alif. Chers téléspectateurs et internautes, ainsi prend fin notre cours, espérant vous retrouver au prochain numéro, c'est-à-dire la leçon 18. Incha'Allahu ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.